Aujourd'hui, j'ai 20 ans! Ça fait quoi d'avoir 20 ans? Mon jeu, je l'ai oublié! Oh, j'adore les surprises! Oh! Pourquoi je pleure? Une vraie gosse, elle a 20 ans et encore une enfant, je vous promets. Je suis vraiment en train de commencer ce vlog en faisant une machine à laver. Ouais, parce que sinon je vais oublier. Ça sent la pomme! J'aime trop sentir. Imaginez les caméras où on pourrait sentir les odeurs. Pour les petites recettes, ça serait pas mal. Wesh, c'est ici. Adoucissant, je n'ai presque plus d'ailleurs. Est-ce que vous aussi vous sentez toujours tout? Genre le papier, les livres et tout. Je suis tout le temps comme ça, moi. Alors, comment on la met en marche? Je sais jamais. Non, je crois. Non. Si? Ah oui. Là, on met play. Oh là, moi je touche rien, c'est déjà programmé. Hop! Coucou! C'est la première fois que vous me voyez avec les cheveux courts, non? Enfin, les cheveux courts. Oui, j'ai 20 ans aujourd'hui, donc j'ai coupé un petit peu et j'avoue que ça me grandit de ouf. Et il n'y a plus de nœuds, genre. Ah si, un petit peu. Mais genre, waouh! Ça change, hein? Du coup, ouais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai tout coupé. Enfin, tout coupé. On exagère un petit peu, mais j'ai quand même bien coupé. Mes cheveux étaient quand même bien plus longs avant. J'avais vraiment besoin d'un renouveau. Je voulais plus de mes cheveux longs, je les voyais là. Puis en plus, vous étiez souvent à me dire, Marie, tu devrais plus te couper les cheveux. Ça te grandirait. Bah écoutez, voilà. C'est chaud. Regardez, j'ai des trucs à ouvrir. On prend ça ensemble, vous inquiétez pas. Tac. On allume. Le petit bruit d'Apple. Ah, j'adore. Attendez, je suis rouge là. C'est quoi cette lumière? C'est mon ordi qui reflète. On va attendre qu'il s'allume le petit coco parce que là, je suis rouge. Waouh. J'ai pas mal de messages. Ça fait trop plaisir, faudra que je prenne le temps de répondre à tout ça. Mais là, on va faire un peu de montage avant parce que j'aimerais bien terminer une vidéo que vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Je sais pas. Oui, je crois que vous avez déjà vu la vidéo de la semaine dernière. Tu peux aller la voir si tu veux, mais je suis en train de la terminer. J'ai presque fini, on va être efficace. Bon, sinon, aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que j'ai 20 ans. Oh là là, je change des décennies, genre. Et vous allez me dire, Marie, ça fait quoi d'avoir 20 ans? Bah, je sais pas. En vrai, peut-être que tu te sens plus grande. En plus, j'ai fait le nécessaire. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à ça, j'ai eu tellement des bons retours de votre part sur Instagram. J'ai posté une photo qui visiblement vous a énormément plu. Ça fait trop plaisir. Du coup, bah voilà. Moi, je suis trop contente aussi. Mais ça fait quoi d'avoir 20 ans? Bah écoutez, je vous retourne la question. Ça fait quoi d'avoir 20 ans, ceux qui ont 20 ans, en vrai? Peut-être que tu te sens plus grand. Et le psychologique, vu qu'il joue beaucoup, bah au final... tu grandis, je sais pas, on verra bien au fil des vidéos, des années, de l'année plutôt, puisque je fais des vidéos sur YouTube. Et vous savez quoi, faut que je vous raconte un truc là. Bon, après je fais mon montage, vous allez mettre en retard. Mais, hier soir ce matin, j'arrivais pas à dormir. J'ai dû quand même m'endormir avec de la pluie. Genre j'ai mis de l'ASMR pluie, parce que je n'arrivais pas à dormir, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'arrivais pas à dormir. Il était 1h du matin, Marie qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait de la pluie qui tombait en ASMR en Apple Podcast. Voilà, c'était l'histoire de ma soirée hier. Parce que du coup, je suis allée à un event, je suis rentrée assez tard, j'ai mangé assez tard, j'étais tout en décalé. Puis je sais pas, c'était pour ça. Ok, je vois. Si j'avais pas écouté de la pluie, ça m'aurait pas inspiré pour faire cette vidéo. Donc vous n'aurez pas vu cette petite vidéo. Je me suis dit, Marie, ça peut être cool quoi. Et si on marchait un peu? Ouais, on va marcher un peu. Du coup, je fais mon montage. Ensuite, il y a mon agent qui va m'appeler. Il doit m'annoncer plein de bonnes nouvelles apparemment. Donc, après, je vais à la salle. Après, je vais rentrer. Et cet après-midi, je vais peut-être terminer le montage si j'ai pas fini. Et après, je vois une copine que j'ai rencontrée sur un shooting de là où je travaille, donc chez Don't Call Me Jennifer. Du coup, je suis trop contente. On va se voir, on va se faire un petit truc. Et après, en fin de soirée, de journée, je vais boire un verre avec des copines. Et après, on va toutes au restaurant. Donc, on va à Brasserie Autreuil. Je crois, c'est une des filles qui a proposé ça. Je connais pas du tout, mais apparemment, c'est une brasserie italienne. Dans le 16e, dans Paris 16, et du coup, bah, on va aller là-bas. Et je vous emmènerai avec moi, mais je pense que je vous emmènerai avec mon iPhone. Parce que la caméra dans le sac, bon, voilà quoi. Bon, allez, je fais mon montage, je reviens vers vous, ok? Bisous! Oui, je sais, mais genre quand la première fois qu'on a eu 10 ans,
On disait, oh maman, j'ai un âge à deux chiffres, tu sais. De ouf. Et ça, on se sentait grand, quoi. Bah, la nouvelle décennie, quoi. On va sur les good news. Très bonne ou... Non, tu vas crescendo de la okay. Moins bonne, entre guillemets, mais voilà, jusqu'à la meilleure. Mais accroche-toi. Attends, je m'accroche. Oh non, mais Simon, c'est trop bien ce que tu me dis, là. Je suis rentrée, j'ai fini de faire ma petite séance de sport, elle était trop bien, ça m'a fait trop du bien. Et là, regardez, j'ai des colis à ouvrir, j'ai reçu ça ce matin, je sais pas ce que c'est une surprise. Doucement, donc on va ouvrir tout doucement ensemble. Et je vais unboxer avec vous ce sac que j'ai eu à un event hier. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. C'est un gros cadeau que je me suis fait de moi à moi, que j'avais précommandé sur le site d'Apple. Bref, on va ouvrir ça parce que je peux vous dire que je le garde depuis mardi. Mardi, je l'ai pas ouvert, j'ai pas eu le temps encore. Donc on va l'ouvrir ensemble aujourd'hui. Ah, et j'ai un autre truc aussi. Oh, ah oui. Je l'avais planqué dans le placard parce qu'en fait, j'ai un ami qui était venu chez moi il y a début octobre. Il m'a donné un cadeau à ouvrir le jour de mon anniversaire. Donc je l'ai planqué parce que sinon j'allais trop être tentée. Et il est là, je vais pouvoir l'ouvrir. Oh mon dieu, trop bien. Je suis en mode grenouille là. Mais je suis en train de faire une story aussi en même temps. Parce que la boîte où il y a les fleurs, je veux trop ouvrir en même temps. Et je cadre pour voir comment ça fait. C'est bon, nickel. Parce que j'ai acheté un petit trépied. Regardez, il est trop stylé. C'est un trépied ring light. Oh, on dirait vraiment une grenouille, regardez. Bon allez, on ouvre. Attends, il me faut peut-être un ciseau. Je crois que ça sera mieux. Ils disent qu'il faut ouvrir tout doucement. Ou ouvrir tout doucement. Alors, comment ça s'ouvre? On va y aller mollo, hein, du coup. Tac. J'adore les surprises. J'adore. Ça sent bon. Puis moi, je sens toujours tout, de toute façon. Oh! Ok, c'est un truc. Ah, mais c'est quoi? Attendez, je vous pose pour que vous voyez le chef-d'œuvre monter. Wouh! Wow! Mais j'adore! C'est trop beau, mais c'est... Oh! Il y a une lettre. Wouh! Ah! Ah, mais il va rester collé là-dessus, lui. Regardez. Ah, mais j'adore! Une vraie gosse, elle a 20 ans, mais encore une enfant, je vous promets, c'est grave ça. Yes! Et il y a une lettre au bout. Oh non! Oh non, mais c'est trop mignon! C'est des copines qui m'ont envoyé ça de Dijon! Oh non! Non, mais les filles, je m'attendais pas du tout! Ça fait trop plaisir! Ah! Bon bah il restera là en souvenir jusqu'à ce qu'il pète hein. Non mais je m'y attendais vraiment pas, c'est... J'ai presque les larmes aux yeux, genre, enfin j'ai les larmes aux yeux, je vous promets. Pourquoi je pleure? Bref, non mais les filles, je sais que vous regarderez cette vidéo, mais merci beaucoup, je vous aime fort. Bon, allez, on passe à autre chose là, mais mon make-up il va être foutu après. Oh, c'est toujours comme ça, à chaque fois que je me maquille, je pleure après. La petite tote bag d'hier, du coup, à l'event auquel je suis allée. Mais Marie, bon, c'est un jour joyeux, aujourd'hui, on pleure pas. Il y a quoi dedans? Il y a du thé de Noël. Alors, je suis pas très thé. Ah ouais, c'est un thé de chez Thirsty, je sais pas si vous connaissez. Morceau de pomme, thé vert. Oh, morceau de pomme. Oh, c'est bon. Faut que je goûte, quoi. Ensuite, il y a quoi? Habillez vos gambettes, c'est un collant je crois, c'est Noël, regardez ça, en mode argenté, regardez. Ah non, c'est des chaussettes, j'adore. Attendez-vous pas à ce qu'il y ait un montage de ouf, je pense que c'est vraiment l'idée de filmer ma journée où j'ai 20 ans, de vous emmener avec moi. Il n'y aura peut-être pas un montage de ouf, mais j'avais envie de vous partager ma petite journée, de vivre ça avec vous en fait, voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais c'est cruel, hein. Une crème jour, comptoir des huiles, peau sèche, une crème pour le visage. Mais ouais, vraiment, c'est comme si j'étais avec mes potes, en fait, on va vraiment discuter toute la journée ensemble, je vous emmène avec moi, et puis voilà, quoi. Oh, un gel, merci Andy. J'adore, d'ailleurs, je vais à un event avec eux, bientôt. Trop contente. Ils sont bons. Bon, j'ai déjà le stock, hein, mais j'ai amassé. Un petit vernis, rose clair, et un petit savon. Ils sont bons, santé. Voilà, ça c'est quoi? Ça se trouve c'est pour une collab, donc je vais peut-être pas pouvoir vous montrer au final. Ensuite il reste deux trucs, mon cadeau que je me suis fait de moi à moi et un cadeau
d'un ami. Donc je vais ouvrir celui-ci en premier. Je peux vous dire que ce cadeau, ça fait depuis un mois que j'attends de l'ouvrir. Ouvre-le le 29 octobre, le jour de ton anniversaire. Il m'a mis un petit mot et je penserai à toi depuis la Pologne. C'est trop mignon. Est-ce que vous aussi vous aimez déchirer les papiers cadeaux? Oh, j'adore. Bon, déjà je sais que c'est un livre. Attendez, mais je vais peut-être me filmer pour l'envoyer. J'aime bien déchirer le papier. Oh, oh là là. Magnifique. Un livre Paris avec des photos de Paris, je pense. Merci, ça fait trop plaisir, vraiment, je te promets. Attends, je vais ouvrir de suite, je veux trop voir l'intérieur. Et vous savez, Paris, je suis amoureuse de cette ville. Vraiment, j'aime trop Paris, c'est tellement beau, ça dégage tellement un charme. Moi, quand j'écoute des musiques parisiennes, pour vous dire, ça me fait pas des frissons, mais presque. Enfin, c'est dingue, hein, vous allez me prendre pour une folle. Mais vraiment, j'aime trop Paris. Et là, ça va sentir bon. Ça sent bon. Oh, regardez. Ça me fait trop plaisir. Oh, c'est magnifique. C'est un beau livre. Punaise, je viens de lire un petit peu et en fait, c'est plein. Je me dis, mais c'est vide. Genre, c'est vide. Ça dégage pas la même chose que d'habitude. Et c'est parce que c'était... C'est un photographe, en fait, qui a pris plein de photos pendant le Covid. Donc, quand la vie était vraiment... arrêté quoi, quand c'était vraiment le premier confinement. Et du coup c'est hyper intéressant parce que tu vois vraiment tous les endroits de Paris, mais vide. Dernier colis, oh mon dieu, et pas des moindres. Celui-là il m'a coûté une blinde. Et après faut que je pense à manger parce qu'il est quand même 14h30. Ça serait... Hop. Oh, oh là là, oh là là. Mon dieu, vous êtes prêts? Moi je suis pas prête. Mais regardez-moi ça, c'est le nouveau MacBook Pro. Je suis tellement contente, en plus c'est aussi un petit travail et je voulais vraiment changer pour encore une meilleure puissance. Parce que là c'est la puce M1, du coup moi j'avais encore le truc Intel. Je vais pouvoir faire encore plus de montage, je vais être encore plus productive alors que je suis déjà hyper productive. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va faire un petit peu d'ASMR. Chut, pas de bruit. Oh mon dieu. Oh, la notification qui gâche tout. Ah. Oh là là. Wow. Non mais quand même c'est dingue parce que est-ce que vous aussi vous auriez attendu autant de jours que moi pour l'ouvrir? Il est trop beau, j'ai pris en gris sidéral et donc c'est le nouveau MacBook Pro et en fait vous avez, ils sont un peu revenus en arrière Apple parce que vous avez du coup le MagSafe, vous savez le chargeur aimanté et ils ont remis les prises, ouais, ils ont remis la prise HDMI et pour mettre la carte SD. Mais ils reviennent grave aux anciens Mac, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment comme les anciens Mac. Il manque juste la pomme qui s'allume. Ça, j'avoue, je suis deg. Oh, waouh, il est trop beau. La qualité de l'écran. C'est trop beau! Bon écoutez, je vais préparer tout ça et après on va manger quoi. C'est vraiment le chantier, mais on va faire à manger. Parce que là, il est 14h30, je n'ai toujours pas mangé. Je vous le dis, on va faire un truc simple, mais vraiment très simple, c'est-à-dire du bouillon, des pâtes. Voilà, du coup, je vais manger. Vous devez vous dire, mais elle mange toujours la même chose, celle-là. Ouais, j'ai rendez-vous à 17h. Du coup, je vais aller à l'atelier des lumières avec une copine. Trop bien parce qu'il y a une expo en ce moment sur l'espace. Et j'aime trop. Ça me fascine, l'espace. Je trouve ça incroyable. Et oui, oui, je coupe mes pâtes. Attendez, parce que là, il est quelle heure, là? Attendez. Il est 15h. Me dépêche, punaise. Je suis sur le point de partir, là. Et regardez ce que je me rends compte à l'instant. Mon dieu, je l'ai oublié. Mais elle va rester là jusqu'à demain. C'est grave, vous pensez? Oh, puis vous allez me répondre, ça sera trop tard. Oh merde. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Regardez la petite rue où on est. Bon, il pleut. Temps de nul. On a fait des petites photos. Voilà. Il est trop mignon son bonnet. Regarde. Et des petites oreilles. C'est pas sûr que tu vois la vie.
Je vais lui faire découvrir les arômes prosis que je mets dans mon café. C'est bon. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Do you know the future is bright? Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, j'étends le linge. Et n'oublie pas de laisser un petit like, un petit commentaire à la vidéo si t'as passé un bon moment avec moi. Et puis voilà, gros bisous. Je vais aller finir d'étendre le linge et je vais aller me coucher. Voilà. Bisous. Ah, je suis pris. Oh, the good times just begun.